Salut tout le monde, c'est CashGamer18 et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de The Amazing Spider-Man, je sais même plus comment on le dit, c'est pas grave. Et vous inquiétez pas, s'il y a marqué continuer, c'est simplement parce que j'ai commencé une partie parce que je voulais voir si c'était fluide ou pas. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas commencé sans vous, ça risque pas. Je tiens beaucoup à faire les découvertes, donc... Donc attendez, là j'avais par contre aperçu qu'il y avait un bug avec la souris. Donc voilà. Donc là le jeu nous propose de faire de commencer avec trois personnages différents. Donc je trouve ça vraiment pas mal, une très très bonne idée. Donc je sais pas trop ce que je vais prendre. Après bien sûr j'aimerais bien prendre Spider-Man. Après humain ça a l'air d'être un peu civil quoi. Mais après si je prends ça, ça va être un peu trop super héros dès le début je pense. Si je prends héros ça va faire voilà. Après si je prends humain je pense que ça va faire trop civil dès le début. Donc je pense que je préfère prendre le héros puisque ça va être le juste milieu. Donc voyons ça tout de suite. Donc après désolé si la qualité ne sera pas top. Bon en même temps je pense que sur YouTube la qualité de la vidéo sur YouTube va être vraiment d'une bonne qualité hein. Mais après si je sais que moi comme je suis devant mon PC la qualité n'est pas super bien sur ce jeu, j'ai pas pu tout mettre à fond puisque je n'ai pas encore un gros PC de gros gamer, donc c'est pour ça que peut-être que ça sera pas super fluide, enfin je sais vraiment pas du tout, je l'ai pas testé en vidéo, je l'ai rien testé comme ça, donc ça m'avait l'air d'être plutôt assez fluide. Donc en vidéo certes ça sera peut-être moins fluide puisque comme le logiciel de montage prend quand même un peu du processeur, je pense quand même pas mal du processeur, de la capacité du processeur, donc ça sera peut-être un peu moins fluide que si je filmais pas, mais on peut pas faire tout sans rien, enfin je sais pas trop. Donc la cinématique je vais la laisser parce que je sais pas si on a la possibilité de zapper les cinématiques. Mais je pense que pour une découverte, ça serait quand même pas mal. Donc je vais vous laisser ça. Et je vais arrêter de parler. Au secours! Arrêtez-le! Au voleur! Hé petit, tu peux m'aider? C'est pas mon problème. Oh l'enculé. C'est pas mon problème. Aïe aïe aïe. Enfin, sérieux, moi... Enfin, je vous pose quand même une question, mais si vous étiez Peter, donc cet homme-là, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, hein? Moi, perso, je pense que j'aurais quand même tenté de courir après ce voleur. Mais bon, après, c'est le choix du personnage, c'est le choix du jeu. Après aussi, désolé si je donne quelques petits à-coups, c'est parce que je ne joue pas à la souris, parce que enfin clavier souris, c'est parce que j'avais un peu la flemme de tendre mes bras, donc j'ai pris la manette. Comme ce qu'est-ce qui s'est passé, comme ce jeu est compatible avec la manette de d'Xbox, je me suis dit je vais le faire en tant que gros flemmard. Oh non c'est long. Ah ouais bon, pour ceux qui ont vu les films voilà c'est son oncle hein. Je vais me taire pendant cette scène assez dramatique. Oncle Ben était mon rock dans un monde où tout me filait entre les doigts. Un monde où je vivais sans mes parents. Où la morsure d'une araignée génétiquement modifiée m'avait transformé. Mais j'avais perdu Oncle Ben. En sa mémoire, pour Tante May, pour me racheter après avoir laissé filer celui qui l'a tué. Je suis devenu un héros. Spider-Man. J'ai fait de bonnes actions, neutralisé un tas de sales types. Mais j'ai jamais trouvé l'assassin d'Oncle Ben. Un vide de plus dans une existence cruellement vide. D'accord. Bon, mais ça a pas l'air très très joyeux, lui, dans sa vie. Hop, donc les temps de chargement sont assez sympas, on va dire.
puisque il y a différentes astuces qu'on peut parcourir. Donc une jauge de combo remplie augmente la probabilité de faire un coup spécial. Donc ça veut dire qu'il y aura des coups spéciaux, donc c'est plutôt pas mal. Utilise la traction, hein, oh, d'accord. Bon, une jauge de ouais, utilise la traction de toile pour désarmer les ennemis. D'accord. Bon bah si c'est comme ça, c'est que il doit y avoir une bonne raison. Donc après, les temps de chargement sont peut-être un peu longs dans la vidéo, parce que pareil, hein, comme je suis en vidéo, les temps de chargement ont tendance à s'allonger. Mais après, hors vidéo, hein, je pense que les temps de chargement doivent être deux fois moins longs. Donc c'est pour ça que je vais quand même essayer de combler le temps de chargement en essayant de parler. Après, voilà, j'espère que le jeu sera bien fluide, parce que là, tout ce qu'on a pu faire en action, c'était marcher et courir. Donc c'est pas ce qui va faire bien défiler le jeu. Après, si le jeu n'est pas super fluide, c'est peut-être aussi une erreur de développement, hein, mais je pense pas, parce que c'est quand même d'assez gros développeurs qui ont développé ce Spider-Man. Donc je pense que s'il doit y avoir une mauvaise fluidité ou quelque chose comme ça, je pense que ça doit venir de mon PC. Mais après, c'est qu'il commence à se faire vieux, le pauvre. Donc il faudrait que je le change dans pas super longtemps. Il doit avoir, je sais pas moi, il doit avoir 1 an, 2 ans. Non, pas un an, c'est sûr. Je pense qu'il a 3 ans, je crois. Donc, bon, pour un PC occasionnel, ça reste... Ah, putain, merde, j'aurais dû activer l'anti-granulage. LT, c'est ça, il me semble. LT. Eh bien... Putain, j'oublie toujours ce que c'est, LT et RT. Mais bon, c'est pas très grave. Bah attendez, LT. LT, RT. RT. Ah, ok. Ah, mais d'accord, parce qu'on peut changer de main. Ah, oh, ça c'est bien sympa. Bon, par contre... Oui, je suis un peu... D'accord. Bon, c'est pas... C'est pas super fluide, ça par contre, je m'en excuse, hein. Mais bon, en vidéo, je pense que ça doit passer quand même. Rejoindre la ruelle, donc c'est pour ça que je vais essayer de pas être très brusque dans mes mouvements. Hop, allez. Donc par contre, je sais pas du tout à quoi ça a servi de pouvoir choisir la classe, entre guillemets, du choix de début, par exemple. Enfin, ce qu'on m'avait demandé tout à l'heure, de commencer en tant que humain, super-héros ou héros. Hop. D'accord. Bah, je pense que ça doit être le rayon, là, qu'on peut voir. Allez. Oh! Ah, quand même, je peux quand même monter. Ouh, c'était quoi ce saut? C'était quoi? C'est quoi ces conneries? Ah ouais. Ah, c'est bien sympa ça quand même. Hop. Allez, je vais essayer de me splatcher. Ok, le mec ne meurt jamais. C'est pas grave. Bon, ça par contre, c'est peut-être un défaut quand même, hein. Ça a rien à voir avec mon PC. Bon, après, c'est sûr que là, ça va m'exploser les yeux de jouer comme ça. Quand je serai hors vidéo, parce que là, sinon, je vais devoir tout recommencer. Mais quand je vais être hors vidéo, je vais baisser un peu les configs. Bon, sachant que c'est vrai, là, en plus, j'avais quand même mis... je crois que j'avais pas tout mis au max, mais j'avais mis une grande majorité des choses au max. Donc après, il fallait bien se douter que ça allait pas pouvoir fonctionner. Hop. D'accord. Bon, ben, c'est l'immeuble. Hop, je vais essayer de grimper au mur. Voilà. Ouais. D'accord. C'est ici. Ils sont lourds, ces flingues. Tu veux pas m'aider? C'est moi le chef ici. Ça veut dire que t'es censé faire ce que je te dis.
Alors boucle-la et fais un petit effort. Le chef ressemble un peu à l'homme qui a tué Oncle Ben. Mais j'ai un doute. Il faut que je prenne des photos. Utiliser l'appareil photo. La tête de Steve de plus près. Il devrait trouver un meilleur angle. Voilà. Non, c'est pas lui que je cherche. J'ai un mauvais pressentiment. C'est son spider sense. Localiser la menace. Où est la menace? Derrière lui? Pas du tout. Non, sérieux, où est la menace? Je vois pas de menace pourtant. Faire pivoter pour dévoiler la menace. Ah, ok. C'était juste en haut. Moi, je pensais qu'il y allait avoir... Ah, ben, il y a un méchant. Ah ok, donc moi je pense que ça me fait quand même penser un peu à Sleeping Dog quand les personnages se mettent en rouge pour quand c'est signe qui va vous attaquer. Bon, après les scènes de combat sont plutôt pas mal, même si je vais pas vous mentir, je m'attendais quand même un peu à mieux. Mais bon, après s'il faut, ouais, quand même ça reste quand même plus que passable. Ouais, voilà, les petites prises de catch par-ci par-là, ça c'est... D'accord. Ah, un gros balourd avec une matraque ne me fait jamais ne me fait jamais peur. Donc allons-y, hop. Ouais, ouais. Bon, c'est bon, il est mort. Il est mort. Alors, terminé notre... Ok, c'est bon. Je peux descendre ? Allez, fais-moi descendre de là ! La ferme ! Montre-moi tes mains ! C'est ton genre de chance. C'est pas toi que je cherche. Sauf si t'as fait enlever un tatouage. Non, 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 ça risque pas. J'ai peur des aiguilles et du vide. Donc j'aimerais bien descendre de là. Mais non, ça craint rien. Ouais. Qu'est-ce que la toile se dissolve ? Mais la police te trouvera avant. Pitié, qu'est-ce que tu veux ? Je pourrais t'aider à trouver le type que tu cherches. Fais-moi descendre. J'ai l'impression que tous les criminels se ressemblent. Les prisons sont pleines de types comme toi. J'essaie de retrouver celui-ci. Oui, j'ai déjà vu ce type. Il vend des armes à mon boss, Hermann Schultz. Je te conseille de pas me mentir. Oui, oui, c'est vrai. Je te jure, Schultz est parti négocier tout à l'heure. Je sais pas si c'est avec ce type, mais il va acheter assez d'armes pour affronter une armée. L'armée? Quelle armée? Les Russes. Alors, d'accord. Bon, alors, il faut être, je comprends pas tout en fait. Même si je comprends un peu, mais et après c'est pas. Une bouche incendie. Alors qu'est-ce t'en dis? C'est plutôt confortable, hein? On est déjà à 13 minutes de vidéo à peu près, je pense. Je sais pas. D'accord. Bon, par contre, j'aurais dû activer l'anti-granulage parce que là, c'est vraiment horrible. Mais bon, j'en suis vraiment désolé. J'ai pas... Je n'y ai pas fait attention. Quand... D'accord. Je n'ai pas fait attention quand je l'ai testé. Tout de suite, si pour... je veux pouvoir trouver ce Hermann Schultz. Allez. Hop. Bon, par contre, l'ambiance est plutôt... Eh ben putain, tu veux pas t'accrocher. Oula. Après, désolé si je dis pas grand chose. Ah non, mais sérieux. Bon, ben. On va devoir faire avec pour ça, mais bon.
Et bon, je trouve que c'est vraiment pas très fluide. Je suis désolé pour mon PC. Hein. De toute façon, dans pas super longtemps, dans, je crois 2 mois, je crois, je vais le changer. Donc, vous aurez une nette meilleure qualité. Peut-être pas dans 2 mois, peut-être un peu plus, je sais pas trop. Mais en tout cas, il va bien passer à la trappe celui-là. Alors. Ou peut-être aussi que je vais passer sur console puisque on n'a pas l'inconvénient de la configuration sur console. Mais après sur console, c'est qu'il faudrait acheter un boîtier de capture et c'est ça qui m'embête un peu. Dans la console. Bon. Ok. D'accord. Bon. De toute façon, là, je sais pas trop combien de temps je vais faire pour la vidéo. Hein, Alors, là, là, là. Ok. D'accord. Ok, bon, bah c'est plutôt pas mal. Après, c'est un bon début, hein. Mais bon, sûrement en fait qu'ils auraient pu faire la faculté de se tuer, enfin de se tuer. Au moins de s'assommer quoi, parce que quand on tombe, même si on est Spider-Man, quand on tombe d'un immeuble de je ne sais combien d'étages, on est censé quand même mourir. Alors, je me fous qui s'appelle Spider-Man le type, mais bon, c'est quand même un peu exagéré. Hop. Wow. C'est juste que tes coups n'ont aucune originalité. Tu es où? Alors attends. Personne ne mette la main sur ces munitions. D'accord. En me concentrant, je devrais pouvoir localiser les autres caisses de munitions. Allez, c'est parti. La scène de combat est enfin. Oula. Toi, tu vas pas commencer à me taper. Ça serait fort dommage pour toi. Par contre, je trouve que les méchants font. Font des prises assez élaborées alors que ça a l'air d'être des vulgaires gangsters pas très réalistes, mais bon. Alors ok, ok, elle doit être par là. Ok, elle est dessous. Alors, comment on fait pour enlever le sang d'araignée? D'accord. Je ne peux pas enlever le sens d'araignée. Bon, c'est pas très grave. Au moins, je vois mieux les ennemis. Après, par contre, peut-être que les caméras ne sont pas super super bien. Après, c'est pas grave. Hein. Peut-être que je ferai une vidéo test quand j'aurai fini le jeu. Mais après moi, à l'allure où je finis les jeux, vous savez que, voilà, on a le temps. Bon, sauf quand c'est des bons jeux que j'apprécie. Bon là, après, je sais pas, hein, je sais pas encore ce qu'il en est de ce jeu, mais après, c'est pas encore le coup de cœur pour ce jeu, mais bon. Ça peut toujours se modifier. Je me laisserai pas avoir si facilement. Bon, il y a eu un petit décalage entre l'audio et l'image. La roulade. Ok. D'accord. Allez. Ouais, par contre là par exemple l'angle de caméra n'était pas tip top, mais bon. Ok, c'était si facile. Bon, d'accord. Ah,
supplie, ne me tue pas comme les autres. On peut passer un marché. Les autres ? J'ai de l'argent, des flingues. Dis-moi ce que tu veux. On raconte que tu fais des affaires avec ce type. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Ah, donc là, on peut choisir ce qu'on peut dire. Donc, que signifie ce tatouage ? Parle-moi de la guerre des gangs. Identifie le meurtrier de Ben. Donc moi, je vais bien sûr choisir d'identifier le meurtrier. Carradine. Je sais pas si c'est son vrai nom. Il vend des armes. Il vérifie pas les casiers judiciaires. Où est-ce que tu le rencontres ? Mais ça change à chaque fois. On fait savoir ce qu'on veut négocier et il appelle. Toujours sur un téléphone jetable. Et il est du genre parano. Il doit avoir mauvaise conscience. D'accord. On passe un accord, hein ? Bon. Moi, je voulais rien que savoir ce qu'était... Tu rigoles ? Après toutes les saloperies qu'ils nous ont faites ? Mes gars vont pas encaisser ça sans broncher. C'est pas bon pour les affaires. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Les arrêter. Et tu vas m'expliquer comment. Ça va pas être simple. Bon allez, on va faire toutes les possibilités. Il en reste plus qu'une. Allez, la dernière. Le tatouage, qu'est-ce qu'il représente ? Ça vient d'un gang. Aucun gang n'utilise ce symbole. C'est un symbole assez rare. La marque d'un spécialiste qui peut te procurer tout ce que tu veux, à condition que tu mettes le prix. Et il tue tous ceux qui lui barrent la route. Ouais. Ça, je le savais déjà. Allez, moi, je vais terminer cette putain de conversation de merde. Une photo, rends-toi à Alphabet City et cherche un marchand d'armes du nom de Carradine. Attends, je crois que j'ai son dernier numéro dans mon téléphone. Arrête-là. What? Oh, quel crétin! Je tenais tellement à obtenir des réponses que je me suis fait avoir comme un bleu! D'accord, il s'est fait avoir par une grenade flash, si je dis pas de bêtises. Donc, ben, c'est assez dommage pour lui, mais bon, on s'en fout. Appuie sur 1 pour utiliser l'appareil photo. Ok, donc je peux faire des photos, donc ce qui est déjà pas mal. Après, bah, peut-être que je vous ferai une vidéo détente, je sais pas trop encore, mais ça va pas tarder en tout cas. De toute façon, juste après, juste après la fin de cette vidéo, je vais faire tout ce qui est montage et tout pour vous la proposer le plus vite possible. Et de façon à ce que je puisse passer à autre chose, à un autre jeu ou à une autre vidéo, enfin que je puisse réfléchir à autre chose. En plus là, ça va bientôt être la fin des vacances, on est mardi, bon ça va, il nous reste encore pas mal de jours, mais enfin, ça va franchement, ça va vite arriver la fin des vacances. Donc je voudrais vous proposer le plus de vidéos possible pendant ces vacances, ou en faire d'avance pour vous les proposer pendant la semaine où je peux pas forcément vous les proposer d'habitude, même si j'essaye d'en proposer un maximum. Mais je sais que dès que j'arrête cette vidéo, je vais faire tout ce qui est montage, et dès que je redémarre ce jeu, je vais activer l'anti-granulage ou un truc comme ça, parce que c'est dégueulasse. La qualité est vraiment dégueulasse. Donc ok, hop, costume. Ok, donc je peux acheter des améliorations au niveau de la portée. Ok, bon, je vais pas faire ça maintenant puisque je sais pas trop ce qui va m'être utile maintenant. Les criminels adorent les téléphones jetables impossibles à localiser. Ok. Mais si je trouve l'antenne relais, je pourrais m'y connecter pour écouter ce qu'ils disent. Hey, il est pas con celui-là. Il est pas con. Non, franchement, je trouve que ça, c'est pas mal fait. Bon allez, je vais directement aller à l'antenne relais pour pas perdre de temps, et puis après dites-moi aussi si vous voulez des let's play. Après vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que la qualité et la fluidité soient beaucoup mieux au niveau des let's play si vous m'en demandez, parce que je sais que là même pour moi c'est pas super agréable à regarder. Après s'il faut, moi je dis ça, mais en vidéo ça passe crème, hein, nickel. Mais après voilà, je tenais quand même à m'excuser si
ça posait certains problèmes. Hop. Eh ben, monte au mur, toi. Hop, ok. Non, mais il redescend pas, il est con, celui-là. Je lui demande de grimper au mur, lui, il redescend. Allez. Mais non, oh. Bon, par contre, j'arrive pas trop à manipuler le personnage. Ce qui m'énerve un peu. Mais bon. Hop. Allez, moi j'y suis presque à cette antenne relais. Après, attendez, hop, je vais rien... Oula, ça... Oh non, putain, je croyais avoir réussi. Hop, parfait. Bon, par contre, le décor se... Enfin, les décors des immeubles se ressemblent peut-être un peu trop. Mais bon, c'est déjà plutôt pas mal. Ça fait déjà 26 minutes, putain, qu'on est en vidéo. Moi, je tiens que... Enfin, faut qu'elle dure, allez, une demi-heure, pas plus. Parce que... Non, non, non. Hop, attendez. Non. Ah, putain. J'arrive pas à rester droit, je sais pas pourquoi. Donc, c'est pas grave, je vais le faire comme ça. Au moins, j'ai de quoi venir arriver le truc. Donc, ouais, ça fait déjà 27 maintenant, peut-être, minutes. Qu'on est en vidéo. Ne plaisante pas avec la sécurité. Utilisez le sens d'arrêt. Je désactive les systèmes de cryptage avant de pirater la tour. D'accord, donc là, il y en a un ici. Hop. Parfait. C'est bon. Ok, il fait tout niquer en fait, lui. Rien que pour un truc, mais c'est pas très grave. Hop, parfait. Donc, je vais finir cette petite mission. Et puis, on pourra se quitter ici. Parce que j'ai pas envie que la vidéo ne dure trop longtemps non plus. Parce que, après, sinon, ça prend du temps pour le plot. Ça prend du temps pour le montage. Donc, j'ai pas. Ok, Alphabet City. Parle-moi. Vraiment envie ouvrir la carte de Manhattan. Donc là c'est pas moi, hein. là moi je fais rien du tout. C'est ok. Alors en accomplissant ok. Tac. Ah c'est déjà plus fluide pardon ici. Le moyen d'allumer un feu tranquillement sans qu'un abruti d'une autre bande essaie de faire sauter la cervelle. Ok, je m'occupe de tout. C'est pas mal ça. Paiement en liquide. C'est peut-être Carradine. C'est parti pour une virée en boîte de nuit. Boum boum. Non, je déconne. Bon. Ah d'accord. Non d'accord, je ne peux pas aller ici. Attendez, je viens qu'essayer de voir. Oula. Bon, par contre, quand j'essaye de tisser des toiles, il ne veut pas du tout. Donc, ça, c'est assez emmerdant. Mais peut-être après que je m'y prends peut-être mal pour tisser des toiles. Je sais pas. C'est possible aussi que ça vienne de moi. Même si c'est très grandement possible que ça vienne de moi. Allez. Moi, je vais rejoindre ce point. Donc, déjà, on voit que la map est déjà pas immense puisque... Bon, faut pas exagérer, mais est déjà extrêmement grande. Bon, par contre, ouais, ça commence un peu à laguer. J'en suis vraiment désolé. Faudrait peut-être que j'enlève mon sens d'araignée. Voilà. Hop. Même à New York, il y a parfois rien pour s'accrocher. Hop, parfait. Donc, quand... J'aurai baissé la configuration et que je m'y connaîtrai quand même un peu mieux au niveau de la manipulation. J'essaierai de vous faire une petite vidéo spéciale pour faire un peu des cascades, des petits trucs comme ça.
des trucs bien sympas. C'est pas Carradine. Quoi qu'il en soit, je peux pas le laisser vendre des armes comme ça. Ah putain. On se bat pas. Bon, tu m'as combattu, on se bat. Allez. Bon ouais, ben... J'aurais imaginé que la mission se terminait ici, mais en fait pas du tout. Donc ben, je vais essayer de buter ces gens-là. Et ben, finir la vidéo là, puisque même 30 minutes déjà, je pense que ça commence déjà à faire plutôt pas mal. Hein. Sachant que c'est une vidéo découverte, donc en général, moi, les vidéos découvertes, ça dure pas énormément de temps. Donc... Bon, par contre, les effets ne sont pas merveilleusement faits. Ah merde, oh putain, faut tout dé... est-ce qu'il y a des civils? Non, il n'y a pas de civils. Ah bon, par contre, là, ça va commencer à me... Enfin, pas à me saouler. Merde. D'accord. Qu'attendez, par contre. À toi. Toi, je t'ai vu. Oh, mais t'arrêtes de me saouler, toi. Faut que je les sauve. Toi, voilà. Hop, là, il y en a un ici. Non. Après, disons que je n'y vois pas super bien, là, avec... Avec tout ça... Eh, mais il est où ce civil? Ok, ah ok, il est au-dessus. Donc j'ai rien qu'essayer de sauver un civil. Et puis après, bon, on va pouvoir stopper cette vidéo tranquillement. Par contre, je sais pas trop où c'est que je suis. D'accord. Bon, là, vraiment, je comprends plus grand-chose. Ça commence à me saouler. Ah, oui, en même temps. Au secours ! Mes lunettes sont couvertes de buée. D'accord. Allez, toi, viens ici. Petit papy. Voilà, donc on a sauvé un civil. J'espère que la vidéo vous aura plu. En espérant que bah, vous me demandiez des let's play tout simplement bah, pour pouvoir continuer ça en vidéo. Si vous voulez, comme ça, bah, je continuerai le jeu en vidéo. Et puis sinon, bah, je le continuerai en off, c'est pas très très grave. Dans les deux cas, je vais le faire. Après, ben, vous inquiétez pas pour les prochaines vidéos. Maintenant que je sais la qualité du jeu et ben, la fluidité avec ben, mon ordi, ben, je sais les réglages qu'il faudra faire. Je ferai des tests et tout pour optimiser la fluidité. Et puis, ben, moi, je pense qu'on va pouvoir se dire à la prochaine fois. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben, moi, je pense qu'on va pouvoir se dire à la prochaine fois. Ciao tout le monde.